Bonjour à tous et à toutes, c'est Dragon Dena, on se retrouve aujourd'hui pour la CHM, donc la Cita Hakuna Matata, suite au petit trailer que je vous avais mis sur YouTube, qui vous a fortement plu, j'ai constaté. Donc on se retrouve pour ce premier épisode, entre guillemets, l'ouverture du serveur, en compagnie de Coca-Cola, de Race Warrior, de Easy Flash, de Dark Jimmy et de Iso Lender, je l'ai bien Oui. prononcé pour cette fois. Donc la Oui. CHM, je vais vous expliquer un peu le fonctionnement pour vous YouTube, enfin pour vous viewers et pour eux ce qui ne connaissent pas du Bonsoir. tout. Bonsoir Big, tu interviens dans ma vidéo, je suis en train d'expliquer les règles, ferme ta gueule, merci. Alors les règles de cette CHM, c'était pas prévu, mais on le laisse, c'est pas grave. Alors, merci Big. Bonjour YouTube. Alors, je vous ai donné un bouquin, donc Big, pas toi encore, mais vous avez un bouquin, donc bienvenue dans la cité Hakuna Matata. Connard. Règlement, je vais le laisser aussi ça. Il y aura quasiment constamment un modérateur pour répondre à vos questions. Arrête de rigoler, s'il te plaît, merci, je suis en pleine vidéo. Dans la cité, il est interdit de casser, de poser ou de modifier un bloc. Genre un bloc de terre ou autre chose, d'accord? Ou même un morceau de bois, vous ne touchez à rien. Comme s'il y avait des blocs invisibles sur toute l'île, d'accord? Si un bloc est involontairement cassé, remettez-le à sa place. Vous commencerez avec un starter qui vous permettra de bien commencer votre aventure. Donc tout le monde a eu son starter, donc c'est-à-dire, je vais le montrer pour la vidéo. Voilà, vous avez ça. Hop, je le récupère d'ailleurs. Merci. J'aime la bouffe. Les maisons, non, ça c'est la page d'après. Pardon. Il est formellement interdit de PVP sur et à proximité de la cité, d'accord? Donc à partir du moment où vous Ah. avez l'île, donc on va dire la cité en vision. Parce qu'en gros, vous êtes vraiment sur une île. Pour partir, il va falloir faire un bateau. Donc, quand vous êtes à bateau et que vous avez l'île en vision, à partir de ce moment-là, plus droit de PVP. D'accord? Donc, si vous êtes deux sur un OK. bateau et que vous n'êtes pas ensemble et puis que vous voyez l'île en vision, bah, vous vous battez pas, quoi. Ok? OK. Très important sur ce point-là. Le PVP est autorisé partout, sauf quand vous avez la cité en vue. Donc, ça, c'est ce que je viens de dire. Les maisons spawn doivent être achetées au prix indiqué. Donc, il y a un petit panneau qui indique la valeur de la maison, en sachant que je connais toutes les valeurs de tous les objets de toutes les maisons, donc pas besoin de les modifier parce que je les connais, d'accord? Et si je sais OK. qui c'est qui les a modifiés, il y aura représailles de type bannissement, je cherche même pas à comprendre. Voilà. Donc les maisons en spawn doivent être achetées au prix indiqué, elles servent de lieu de stockage sécurisé et ne sont pas obligatoires, d'accord? J'insiste bien sur le ne sont pas obligatoires. Et quand je dis lieu de stockage sécurisé, c'est-à-dire que c'est un peu comme la Under Chest. Vous achetez une maison, c'est elle est qu'à vous, personne d'autre est censé rentrer dedans. Si quelqu'un d'autre rentre dedans alors que c'est pas sa maison, il y aura un premier avertissement et si je le revois faire ça une deuxième fois, ce sera bannissement directement. D'accord? OK. En sachant que si vous voulez vraiment, le mec qui achète une maison, je lui file un ou deux caracoffres, excusez-moi. Pour qu'il puisse mettre son stuff à l'intérieur pour avoir plus de stockage. Comme ça, il met tout dans son under chest après et voilà. Ça peut être éventuellement envisageable. Vous pouvez faire votre propre base secrète hors de la cité. D'accord? Donc vraiment partir de la cité. Pas le droit de creuser en dessous de la cité puis de faire sa base en dessous. Interdiction de miner aussi à proximité de la cité. Il faut vraiment partir en bateau loin pour pouvoir miner, enfin commencer à miner. Mais attention, la base secrète peut être pillée. D'accord? Donc si vous faites voler, vous faites voler. Il est interdit de toucher à la végétation comme les arbres sur la cité. Par contre, il y a, comme vous pouvez le voir, alors pas ici, mais je vous montrerai après, il y a des petits plants de cactus, de canne à sucre, pardon, plantés un petit peu partout, comme on peut le voir derrière ici, d'ailleurs. Tiens, je vous invite à me suivre. Là, juste derrière moi, il y a des petits plants Attends. de... Voilà, des petits plants de canne à sucre. Vous pouvez en prendre, mais vous laissez la première tige pour qu'elle puisse repousser. D'accord? Donc ça, il y en a vraiment sur tout le bord de l'île. C'est la seule chose que vous pouvez prendre. Ensuite, il est interdit de miner sur la cité. Vous devez aller sur une autre île. Interdit d'utiliser tout type de glitch ou bug, hormis le bug X-Ray qui est autorisé. Si vous le connaissez, tant mieux pour vous. Si vous le connaissez pas, bah tant pis pour vous. C'est le seul glitch qui est autorisé. Si j'en surprends un à utiliser un autre glitch que le X-Ray, c'est bannissement direct. Un modo, donc c'est-à-dire moi et potentiellement quelqu'un d'autre, Big, on en discutera potentiellement après, se téléportera souvent sur chacun des joueurs. Donc ne vous inquiétez pas, c'est juste pour vérifier qu'il n'y a pas de triche ou pour voir si vous n'avez pas de soucis. Il y aura des events qui vous permettront d'améliorer votre stuff. Les events sont
annoncé dans la communauté Sitakono Matata, donc celle que j'ai créée et normalement vous y êtes invité, plus dans le chat écrit. Où le chat écrit vous permet aussi de communiquer entre vous si vous voulez dire bonjour, etc. En sachant que vous n'êtes pas obligé de rester en vocal tous ensemble. Vous pouvez très bien partir en solo de votre côté. Voilà. Donc activez bien les notifications pour ne rien louper. Je ne dirai rien en vocal. D'accord? Vas-y, viens voir. Ouais, vas-y, viens voir. Ouais. Interdit de piéger et d'éteindre le portail du Nether. Je vais vous le montrer après. Pareil pour à l'intérieur du Nether, interdit de piéger ou de creuser en dessous de vous le portail en lui-même, d'accord? Sinon, ça va être la merde. Pareil, si vous faites une base secrète et que vous décidez de faire votre propre portail du Nether, si pour une raison X ou Y, il y a un bug et que en empruntant le portail du spawn ici et en ressortant, on pop dans votre base, c'est pas ma faute. Je m'en bats royalement les couilles. On est d'accord? On est d'accord. C'est à vos risques et périls, je vous l'ai dit. Donc je vous conseille juste petite popo de rapidité 2 pour aller au spawn, c'est rapide, voilà. Interdit, alors ça je l'ai dit. Ça je l'ai dit. L'objectif de la CHM, qu'est-ce que c'est? L'objectif. Le but est d'obtenir le plus d'émeraudes possible. Comment obtenir des émeraudes? En échangeant des items. Où échanger des items? Il faut se rendre sur la cité, donc c'est-à-dire l'île ici, et demander à un modérateur. S'il n'y a pas de modo dispo, ça se peut que je sois absent aussi, et que j'ai ce serveur tourné pendant quelques heures où il n'y a pas de modo. Exceptionnellement, bah vous conservez tout et puis dès que je reviens, voilà, vous m'appelez. Où savoir quel item rapporte combien d'émeraudes? Dans le livre. Donc dans le livre, à la page d'après, vous avez tout le récapitulatif de tout ce qui est en vente. Enfin voilà. Et au spawn dans la grotte. Donc je vous invite à me suivre. Je vais vous montrer où est la grotte, où il y a Attends, le. Arrêtez de vous j'ai taper. plus de nourriture. La même, gros. Mais je vous ai filé de la nourriture dans la carcoffre, vous êtes un peu con vous. Mais je l'aurai dans le cul après. Alors suivez-moi. D'accord? Je vais vous Ouais, mettez montrer. sur pause, les gars, je vous montre les trucs. Attends. Il y a manqué un là. 1, 2, 3, 4, 5. C'est qui manque? Est-ce qu'on est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On est 7, on est 6 là. Bah, c'est bon. Il y a manqué un. Qui c'est qui manque à l'appel? C'est moi, je crois. On va faire l'appel. Risque. Oui, Présent. Ok, c'est Coca. là. Ok, Uzi Flash. Président, Ok. it's Isolander, je le vois. Dark Jimmy. me. D'accord. Et Big. Présent. Iso, arrête de Merde, frapper. mais c'est qui manque Je sais pas ici? pourquoi c'est pas moi. 1, 2, 3, Il y a 4, personne, on est 5. tous là, genre. C'est Dark. Dark, t'es où? Dark. 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 Bah, regarde sur la carte, il Oui, a l'opposé, bonjour. lui. Oh, mais non, c'est Iso qui Dark, putain. quand même, Ah TPS. non. J'ai Mais plus de non, attends. bouffe. Aidez-moi. Tu peux me TP? C'est qui à l'opposé? Oh là C'est le là, mais pire TP du quel. monde. Oh, non, c'est bon, vous êtes tous là. Donc suivez-moi. Alors, la Vas-y, grotte. les gars. Peace and love, je dois quitter. Allez, à plus. Ouais, ce serait. Au revoir. D'accord, très bien. Pourquoi il manque des. Bloc là, C'est toi, c'est à d'accord. toi. Quand t'as fait le portail, t'as oublié de raccrocher. Calme-toi, toi, c'est une erreur de. Hein, c'est ta faute, ça aussi. Voilà, vous n'avez rien vu, c'est tout beau, c'est tout propre. Alors, la grotte, c'est où il y a le beacon rouge, tout simplement. Vous rentrez dedans, petite grotte custom, oulala. Vous avez des pancartes, alors pas la peine de les casser parce que moi j'ai le récapitulatif de tout ce qu'il vaut, donc pas besoin de les modifier, je. Voilà. Et ici, si jamais vous perdez le bouquin ou que vous l'avez pas sur vous, bah, vous vous rendez ici, vous avez tous les objets avec toutes les valeurs en termes d'émeraude. Voilà. Donc je vais aller dans le bouquin et je vais vous dire qu'est-ce qu'il faudrait farmer. Donc vous avez le minerai de quartz miné avec délicatesse, d'accord? Donc je veux pas le petit minerai de quartz comme si vous miniez avec une pioche normale, je veux vraiment le bloc entier, d'accord? Avec une pioche délicatesse en fait, voilà. Qui vaudra un point le bloc. Vous avez pareil, un bloc de Un minime glowstone, de quoi? un bloc de glowstone avec miné délicatesse, donc vraiment la lanterne glowstone, un point la lanterne. Vous avez une lanterne marine, Mais ça donc c'est une marche. lanterne bleue que vous trouvez dans les temples marins. 5 points la lanterne, enfin 5 émeraudes. Un crâne de Wither Squelette, 50 émeraudes. Tuer la tête de dragon que vous obtenez dans les forteresses de l'End. Et d'ailleurs, l'End, si vous le trouvez, je le réinitialiserai de temps en temps, il n'y a pas de souci. Donc vous pourrez avoir plusieurs fois l'œuf ou la tête de dragon ou même les élytras. La tête de dragon vaudra 150 points. Une paire d'élytras, 150 points. Et l'œuf de dragon, 200 points.
Une éponge vous vaudra 2 points. Je dis des points, mais c'est des émeraudes. Coquille de carapulte. Donc, c'est-à-dire C'est quoi? les carapultes, en Ah fait, c'est les nouveaux ouais. mobs t'sais, qui te donnent lévitation. Ouais. Bah, une Ok. coquille, ça valera 5 points. Et un caracoffre entier, donc c'est-à-dire 2 carapultes plus un coffre, ça vaudra 10 points. Le totem de résurrection qui est drop dans les manoirs, donc c'est les nouveaux Ouais. bâtiments, on va dire, depuis la mise à jour, qui sont drop par un certain mob. Et manoir. Voilà. Ça vaut 25 points le totem. Une Ok. armure de cheval, 25 points. Une patte de lapin, 10 points. Une balise, donc c'est-à-dire un beacon, 10 points. 200 points, pardon, parce que 10 points le beacon, ça 200. fera un peu. Ça fera un peu voilà. Un cristal de l'Ender, ça vaudra 5 points. Un Ender Pearl, C'est 1 quoi? point. Cristal de l'Ender, c'est ce qui te permet de faire respawn le dragon. Ah, ok. Tiens, je le tiens en main si tu veux voir, vite fait. Je sais pas où t'es. Voilà, t'es là. C'est ça en fait. Comment on a ça? C'est un œil d'Enderman avec. Enfin, œil de l'Ender, l'arme de ghast et du verre. Donc Ok, c'est pas ok. très cher. Ah oui, Ça, donc j'en ai ça. clairement, il n'y a pas d'émeraude facile là. C'est à toi de voir ce que tu farmes, ce que tu. Mais ça veut dire on a le droit de faire sa base où on veut quoi, en dehors. Je l'ai déjà dit tout à l'heure, je vais le redire après. Je finis juste le Ok. récapitulatif des points. Donc, Eye de l'Ender, 2 points. Étoile du Nether, donc c'est-à-dire quand vous tuez le Wither, ça vaut 175 points. Donc, en sachant que le beacon, ça vaut 200 points. D'accord? Beacon, c'est juste du verre et de l'obsidienne en plus. Je vous laisse réfléchir un peu là-dessus. Un name tag, ça vaut 5 points. Un disque, 25 points. Quand je dis disque, c'est n'importe quelle couleur. Hein, je m'en fous de la couleur. Un disque, c'est 25 points. Okay. Un livre bending, c'est 50 points. Un livre ou stuff, malédiction de lien. Donc, ça, c'est un des deux nouveaux enchants. Donc, soit sur un bouquin, soit sur un stuff. Parce que c'est assez rare quand même. Ça vaudra 50 points. Et idem pour le livre ou stuff avec malédiction de disparition. Et ensuite. Trois potions volatiles. Quand je dis potions volatiles, c'est les potions en splash, celles que vous pouvez lancer quand vous Ouais. faites avec de la gunpowder. Ça vaudra 2 points le lot de 3, d'accord? Et des potions normaux, celles à boire, ça vaudra 1 point le lot de 3. Alors, y Et a-t-il. potion à boire, on peut? Enfin, genre en eau, avec de l'eau? Non, c'est une potion n'importe quel type, mais pas avec de l'eau. Genre potion de force, Mmh. rapidité ou autre. Je m'en fous du type, Ok. mais voilà. Pareil, si vous faites des potions avec le souffle du dragon, ça rapportera pas plus, d'accord? Ouais, tu te Ok. calmes, toi. Des questions pour les bâtiments. Donc je répète, si vous achetez une maison au spawn, c'est un peu comme votre under chest, elle est sécurisée, elle est qu'à vous. Ok. Mais après, vous pouvez faire votre base à l'extérieur de la cité, donc vraiment partir loin, mais vous pouvez vous faire voler. Voilà. Mais on a le droit, genre, par exemple, de faire slash TP hub et après Non, il peut nous TP. tu te démerdes pour revenir au spawn. Ok. Et par exemple, si on trouve des émeraudes dans les grottes, on a le droit de les prendre. De Ça quoi? compte? Ça compte si on prend des émeraudes dans les grottes et Ça après compte. on. Ça compte. Ah, ça compte. Oh! En Ok, sachant qu'il y aura bah des moi events, peut-être un tous les jours ou un tous les 2 jours. Je vais essayer d'être assez régulier. Qui c'est vous pas grave. permettront d'avoir du quand même assez bon stuff, je pense. Je peux déjà Ok. vous annoncer le premier lot Voilà. qui sera à gagner. Ce sera une pioche OP Efficiency 5, Mending, Fortune 3 et Solidité 3. Ce sera le premier lot à gagner pour le premier event. Ok, c'est pas mal. Voilà. Potentiellement En demain. diams? En diams, bien évidemment. Potentiellement demain ou ce soir, si vous êtes là ce soir, ça dépendra. Mais plus demain. Demain, on est mercredi, monsieur. D'accord, très bien. Dans tous les cas, les events, je ne les annonce pas en vocal, je les mets en écrit sur la communauté et sur le chat écrit. Donc ce sera à vous d'ouvrir l'œil et d'activer les Okay. notifications. Y a-t-il des questions avant de commencer? Non, c'est bon, moi j'ai tout dit. Très bien. Eh bien écoutez, je vous laisse faire votre propre aventure. Big, je vais te donner on va discuter nous deux en vocal en privé aussi, juste avant que tu commences, parce que je ne sais pas ce que tu veux faire. On va voir. Et puis vous autres, bah, je vous laisse visiter l'île. Merci les Parmi nous ou oreilles. pas? Alors, soit tu fais en solo, d'accord? Soit tu peux faire team de 2 grand maximum, mais si tu fais team de 2, il n'y a qu'un seul vainqueur. Donc soit tu fais un coup de pute à la fin et tu lui pilles tout, soit vous vous mettez d'accord pour savoir qui récupère les émeraudes. Comment ça, un vainqueur? Bah si vous êtes 2, il n'y a qu'un seul vainqueur, c'est pas le binôme qui gagne. Mais comment tu gagnes?
Enfin, c'est comment tu Bah, veux c'est t'es celui qui a vraiment le tu... plus d'émeraudes à la fin de la cité. Et ça dure combien de temps? Ah. Alors, toute cette semaine, quasiment non-stop. Donc, pour le record, on est le mardi 4 juillet. Donc, en gros, je vais prendre mon petit agenda quand même pour bien expliquer aux viewers. Et puis à vous aussi. Arrêtez de vous Ah, et ça veut dire si on frapper. achète des maisons en émeraude, ça veut dire on perd des émeraudes. Tu perds Et des c'est dire émeraudes, c'est mais bête. t'as aussi une sûreté sur l'île. Ça t'évite de faire des allers-retours si tu fais une base secrète. Donc, tu gagnes du temps Ouais, aussi. mais moi je prends un ender. Est-ce qu'il y a des ender chests cachés dans l'île? Y en a dans toutes les maisons. Y en a dans toutes les maisons. Si les maisons sont pas achetées, t'as le droit de les utiliser. Mais si les maisons sont achetées, t'as pas le droit d'entrer dedans. Donc t'as pas le droit d'utiliser l'Under Chest qui est dedans. Ok, donc si les maisons ils sont achetées, t'as pas le droit de prendre l'Under En Chest. sachant qu'après un L'Under Under Chest. Chest, c'est facile à créer. T'essayes de choper une pioche délicatesse, voilà. Après, Ok. c'est toi qui vois ta stratégie. Alors, pour les viewers, donc du mardi 4, donc c'est-à-dire aujourd'hui jusqu'au dimanche 9, le serveur sera open quasiment non-stop. Du matin jusqu'au soir. La semaine du lundi 10 au dimanche 16, il ne sera pas ouvert. Ou alors je l'indiquerai dans la communauté si je l'ouvre, mais ça m'étonnerait. Et du lundi 17 au dimanche 23, c'est là où il sera ouvert aussi quasiment non-stop pendant une semaine. Ah, il y a la Voilà. Donc régène. en gros, Il n'y ça a va pas de durer 2 semaines. PVP? Ah, si, il y a du PVP. Il y a du Ah, de PVP, ouf. mais pas sur la cité. D'accord? Donc vous ne tirez pas de Ok. flèches sur la cité, vous ne posez pas de seau d'eau en mode hey, j'ai MLG et tout. Même Non. si, vous pouvez vous taper, c'est une des règles. Donc, Pas sur la Et cité et par pas à contre, pour proximité. par il y a des îles quand on part de l'île. Mais oui, gros, il y a des biomes. Ok. Bah après, vous vous promenez. Ah si, autre chose, revenez vers moi, je vais générer votre map. Parce que la mienne est générée à fond, ça vous permettra de voir un peu la Bah map, non. Ah, voir et tu vas vos mettre les cités. pseudos ou pas? Les C'est des pseudos seront combos, c'est de la triche. désactivés à partir du moment où je dirai top. Donnez-moi vos maps. Ok. Tiens. Là, c'est découvrir la map, c'est de la triche. Ouais. Oui, mais t'as une quantité de maps sur Minecraft. Flash, t'es là? Non, il est pas Non, là. il est parti, je crois. D'accord. Big, donne-moi ta map. Ok. Non, tu l'avais généré, toi. Je t'avais généré, je crois. Oh, y'a rien. Moi, je veux plus, j'ai supprimé en créa. Ah, Ne y'a vous plus frappez rien. pas sur l'île. Tiens, cadeau. Tu nous donnes un bateau ou pas au début ou pas? Vous avez du bois dans votre starter. Big, d'ailleurs, je te donne ton starter. Ah oui. Attends, recule. Ah Tiens. oui, mais merde, il faut une pioche pour péter ça. Vous avez du bois, vous faites une pioche. Voilà, vous vous démerdez. Je vous laisse visiter l'île pour voir où sont les maisons, combien elles valent et tout, voir si vous avez potentiellement une. Alors, sachant qu'il y a des maisons qui sont déjà réservées, qui sont. Donc Donc, tu réserves. vous ne rentrez pas dedans, tout simplement, vu qu'elles sont réservées. Et puis, voilà, je vous laisse visiter, l'île est assez grande. Je vous laisse voir la map. Et autre chose aussi, rejoignez-moi. J'ai oublié de vous montrer le portail du Nether, quand même, chose assez importante. Je vous Je TP peux, je peux, tous. je peux, je peux, je peux. Je peux. Je peux la montrer, je peux la montrer Mais moi. dans ton starter, Et on peut pas le casser après. je vous le casse au pire. Prenez la, mais bah allez, posez votre starter par terre là. Vas-y, prends ta bouffe, toi. C'est Big. ça. Ah, vas-y. Ça. Vas-y. Il était à qui? Moi, Il est à. Ok. moi. Qui d'autre qui a Quoi, on peut cassé? garder Ok. l'Under Chest? C'est ton starter, ça? Oui, l'Under Chest, Oui. non, pas l'Under Chest, le Karakoff. Oui, celui-là, vous le gardez. Oh, le Caracroft, tu peux me le donner, s'il te Vas-y, plaît? vas-y, J'en ai goûte-la. pas, moi, Ouais, prends tout, vas-y. Tiens, cadeau. Ah, mais... Est-ce que moi aussi, je pourrais avoir mon Caracroft, s'il te plaît? Parce que moi, j'en Tu ai la pas. récup? Je Non, je prends l'y récup, avais ça. pas récup, moi. Tu peux m'en donner un, s'il te plaît? Si ils ont l'Under. Ah, Est-ce que je peux les emmener Merci. au... Non, Au le bâtiment portail on secret? l'allume pas, juste je leur montre l'endroit. Ah, c'est moi qui vais rentrer, c'est moi qui vais rentrer. Non. Non. Bon, bah, bonne chance alors, les gars. Oui. Ta map. Vas-y. Non mais les gars, je vous ai dit, je vous montre le portail du Nether. En sachant Ah qu'il est oui. éteint pour le moment, donc ce sera à vous de l'allumer. Je ne l'allume pas. D'accord, vous avez des chemins, vous les suivez. Je crash. Les gars, je fais une ellipse. Hop, là vous bifurquez à droite, il n'y a pas de chemin, d'accord? Peut-être après. Et le portail du Nether est tout au bout de ce pont, d'accord? Intégré dans le magnifique tronc d'arbre, on peut appeler ça comme ça. Donc voilà, on va y aller quand même. Je balance pas, mais c'est risque. Hein.
Donc voilà, le portail du Nether est ici, vous l'allumerez à partir du moment où il est allumé, bah vous ne l'éteignez jamais. Pas le droit de piéger ici, pas le droit d'attendre. Ici c'est no PVP bien évidemment. Pareil de l'autre côté du Nether, vous faites pas vos putes à être en sneak, ce que vous allez voir. Celui qui ira en premier, le Nether en fait, vous spawnez dans un portail Oh, petit normal, crash. heureux, sauf que le portail, il est recouvert d'un Ah. petit abri en cobble. Donc pas le droit d'être en sneak dedans, toi, et puis d'attendre qu'un mec sorte ou arrive pour le buter, d'accord? Soyez fair play quand même. Dago, tu peux Oui. péter ma carte à coffre? Coca. Drago. Donc voilà. Drago, tu pourras me réexpliquer où est le portail, s'il te plaît? C'est qui pas. Ah mais t'es pas dedans là. C'est Isolander parce que j'ai crash. Tu peux rejoindre avec la vite? Ouais. Ok, je te ravite quand même. Donc Non, voilà. t'inquiète. Vous pouvez vous Bah, barrer, Drago, faire votre vie. je reviens, t'inquiète. Je Ok. reviens. Ok. Qui veut faire un binôme avec Crystal Warrior? D'accord, merci les amis.